En Tanzanie, le secteur agricole participe à hauteur de 60% au produit intérieur brut, mais le pays exporte plus de matières premières qu'il n'en transforme localement. La transformation des produits locaux reste donc un défi majeur pour la croissance économique. La Chine, partenaire du pays, tente d'apporter son expertise en ce sens. Nous avons vu que les récoltes de la plupart de nos agriculteurs ont plus que doublé, d'autres jusqu'à 3 fois. C'est une bonne nouvelle pour nous, car une fois que les agriculteurs doublent leurs récoltes, ils sont à l'abri de la malnutrition et des problèmes d'argent. Nous espérons donc que cette initiative de la Chine sera utile pour sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. Dans la province de Morogoro, chaque année, environ 1000 hectares de champs de riz padi à haut rendement sont cultivés, générant ainsi des revenus directs pour plus de 2000 agriculteurs locaux. Auparavant, une seule plante donnait à peu près entre 10 et 15 fruits. Mais avec cette nouvelle technologie, nous sommes en mesure d'atteindre 100 fruits par plante. Le centre vise à aider les agriculteurs locaux à construire une industrie agricole moderne, à promouvoir le développement de l'agriculture et à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles locaux. De tels centres ont également été mis en place dans d'autres pays africains tels que l'Éthiopie et la Zambie.